Ronda mais só me alcança no bom de ronda. Oi mina. Favor, favor, ouva. Mina, o ar é para o lugar do amata ou na? Nada pastor não vale a pena. Viens porter ta petite soeur. Ok. 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 On la porte, elle se plaint que c'est difficile. On la porte, elle se plaint que c'est difficile. Oui, t'as filmé le docteur Foua Bénard. Filmé le docteur. Viens chez le rocher là-bas. Oh. C'est le frère Valérie. Vous êtes combien là-bas? Deux, c'est le frère. On est seulement deux. Ici là c'est plus haut. Il monte la chambre. Oh. Oui, ça va. Ça c'est droit. Ça c'est plus haut que monte la chambre.
Bon, venez quand même, venez quand même. Je vais venir. T'imagines, la pièce est là, des bengoles là. Il y a, les maisons, il y a les maisons de l'autre côté. Il y a des bengoles, ça va venir comme ça.
Aïcha. Le soleil ici, après. Hein? Le soleil. Yeah, vous n'avez pas vu. Peut-être. Non, non. C'est la grotte, papa. Mais il y a bien le soleil. Non, c'est la grotte. Ici, il y a bien un endroit. Ah, vérifier. Est-ce que papa, tu vois là, attends. Non. Oh,
s'assoit sa tête. Voilà, nous voulons bénir le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité. Et je voudrais rendre grâce à Dieu, surtout pour la ville de Ngaoundéré et ses habitants. Merci pour l'accueil spécial et chaleureux qui m'a été donné. Que Dieu vous bénisse, au nom souverain de Jésus. Nous sommes en prière. Et ce soir, s'il plaît à Dieu, nous allons continuer le programme qu'on a commencé hier dans l'église située à Onaref, en face des logements sociaux. Ici, on va à l'église, non? C'est pas ça en bas là-bas? Si, papa. Hein? Oui, papa, c'est l'église. Bon, c'est ça. Lorsque vous voyez les bâtiments de logements sociaux en plein blanc là, il y a un petit carrefour de bois là. Donc, en face là, on est juste là. Voilà. Donc voilà, nous sommes là, dessus l'église. Ne manquez pas ce soir à partir de 17h. Ce sera une soirée très forte, une soirée de délivrance prophétique, une soirée de révélation, une soirée de révélation en parole, révélation en prophétie, où la main de Dieu se manifestera puissamment. Vous savez, comme j'ai souvent eu l'habitude de le dire, de même que sur le plan physique, naturel, il y a des saisons. De même, sur le plan spirituel, il y a des saisons, ce qu'on appelle les dispensations. C'est ce qu'on appelle en grec oikonomias. Oikonomias, les dispensations, les saisons spirituelles. Et la saison actuelle est une saison de grâce pour l'Église et pour les serviteurs de Dieu. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, il faut avoir cette révélation par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre ces choses et à sonder les profondeurs de Dieu. Lorsqu'un homme existe sur la terre, ce n'est pas pour rien. Globalement, notre existence... Tu vas laisser maman ici. Après, on va prier. Globalement, notre existence... Le but de notre existence est de servir Jésus-Christ. Ça veut dire que quand nous naissons, le but de Dieu, le but global de l'existence de tout être humain sur la terre, c'est de servir Dieu et de retourner dans le repos éternel. Mais cependant, la terre est tellement remplie de belles choses que le diable a mises pour détourner les cœurs des hommes de leur Créateur. Beaucoup de passions, beaucoup de plaisirs charnels qui emportent une bonne partie en enfer. Les plaisirs des yeux, la passion d'une belle vie, d'une vie meilleure qui pousse les gens et surtout la jeunesse à des dépravations extravagantes jusqu'à la magie noire, etc. Et dans tous les cas, le monde qui devrait être un jardin d'Éden pour l'homme,
pour servir Dieu est devenu un champ de bataille où il faut sauver son âme. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'on devrait sauver nos âmes de cette génération perverse et corrompue. Sur la terre, lorsque vous naissez, vous trouverez qu'il y a plusieurs pôles. Plusieurs pôles d'attraction qui vous éloignent de Dieu, en fait. Et parmi ces pôles d'attraction, j'ai cité les plaisirs de la terre, les richesses, l'amour des richesses, l'amour de la gloire, le sexe, l'amour du pouvoir. Vous verrez dans les histoires politiques de nos nations, vous verrez que beaucoup de nations sont entrées en guerre parce qu'il y a eu des gens qui ont pris le pouvoir et qui ont décidé qu'après deux mandats, surtout en Afrique, après deux mandats et dans d'autres nations aussi, je vais rendre le pouvoir voilà, à d'autres personnes pour que la gouvernance puisse connaître, soit altérée dans tous les cas. Mais lorsque tu as un mandat, deux mandats, on change la constitution parce qu'on se dit, on dit aux gens, non, je n'ai pas fini le plan que j'avais. Quelqu'un a dit, si en 10 ans, tu n'as pas fini ton programme, c'est qu'après, tu ne le feras pas. Donc, et le goût du pouvoir a poussé beaucoup à changer, à manipuler la constitution. Ça a réussi à certains et ça a été fatal à d'autres. Donc, ça fait partie des choses qui nous éloignent de Dieu, le pouvoir. Et parmi ces choses-là, l'une des choses principales, c'est la religion. Parce que tout être humain est religieux. Voilà, je pense que ce sont les philosophes qui le disent. Même les athées qui ne croient pas en l'existence de Dieu sont des croyants. Parce qu'ils croient en Dieu, en eux, croyant pas en son existence. Parce que si tu ne crois pas en une chose, ça veut dire que tu crois en son existence. Mais seulement tu as choisi de ne pas croire. Ça veut dire que tu as choisi de nier la présence ou l'existence de ces choses. Ne pas croire en l'existence de Dieu, c'est une autre façon de croire en son existence. Donc, lorsque nous faisons une étude profonde sur le plan des religions globales, des religions du monde, vous verrez que la religion, au lieu de ramener l'homme à Dieu, a contribué plutôt de diviser les hommes, diviser les familles, éloigner l'homme de Dieu. Et le but de la religion n'est même pas d'amener l'homme vers Dieu. C'est l'expérience personnelle que nous avons avec Jésus-Christ qui nous ramène vers Dieu. Parce que nous savons que Jésus-Christ, en venant sous une forme humaine parmi les hommes, c'était Dieu réconciliant l'humanité avec lui-même. Ouais. Mais les religions nous ont divisés d'une façon ou d'une autre. On verra dans une grande famille des membres qui ne s'entendent pas. Parce que l'un est chrétien, l'autre est musulman et l'autre croit aux traditions de ses ancêtres. Et puis, la religion devient la cause des scissions, de profonds conflits, de guerres fratricides dans une famille. Et si vous regardez dans le monde entier, vous trouverez que des familles tout entières ont explosé et d'autres implosent à cause de la religion. J'appartiens à tes religions. Et les religions globalement divisées entre elles, à l'intérieur d'elles aussi, ont des implosions. Par exemple, les musulmans, on les voit en général dans l'islam, mais il y a une guerre entre les chiites et les sunnites. C'est une guerre terrible, où les uns bombardent les autres, des attentats entre eux. C'est une grande guerre fratricide aujourd'hui. Et dans la religion chrétienne, vous trouverez qu'il y a aussi des scissions à l'intérieur. Les protestants qui combattent les catholiques, les catholiques qui combattent les pentecôtistes qui combattent les évangéliques, etc., etc., etc. On a le témoin de Jéhovah, on a les mormons, on a le zoroastrisme et beaucoup d'autres religions comme ça, dérivées soit des traditions rattachées à Nimrod et beaucoup d'autres branches. Même le judaïsme est subdivisé, le christianisme lui aussi est subdivisé. Voyez, et on a plus de 500 religions issus de la Bible, de la Torah. Donc, dans la société aujourd'hui, il y a ces grandes divisions-là à cause des appartenances religieuses. Dans les familles, on dit non, toi tu es catholique, toi tu es pentecôtiste.
on te persécute. Toi, tu es catholique, on dit tu n'as pas cru, toi, tu es ceci ou cela. Ces choses-là ne devraient pas exister, mais cependant, elles existent. Et elles vont exister jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Pour nous qui voyageons pour apporter le message, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ partout, on voit des oppositions, parfois venant de certaines autorités administratives, certaines autorités administratives qui comprennent le respect de Dieu, qui craignent Dieu. J'ai suivi un discours du général Husseini qui disait qu'il était dans une mosquée, disant qu'il appelle tout le monde à prier, les musulmans, les chrétiens, les athées, etc. Et je pense que j'ai apprécié ce point de vue parce qu'il est globaliste. Et c'est ainsi que les choses devraient être vues dans tous les cas. Chacun a la liberté d'adhérer à la religion de son choix et personne n'a le droit de persécuter quelqu'un à cause de son appartenance religieuse. Voilà. Donc c'est ce qu'il devrait être fait. Chacun est libre. Chacun adhère à une religion par conviction. Mais il faudrait que cette conviction-là puisse être une bonne conviction, qu'elle vous rassure qu'après la mort, vous verrez Dieu. Parce que la vie éternelle est une réalité. Après la mort, commence la vraie vie. Soit d'autres iront pour le ciel, le paradis, d'autres, ou alors d'autres iront pour l'enfer, pour la géhenne, ce feu qui ne s'éteint pas. Dans toutes les religions, on est d'accord qu'après la mort, il y a une vie. Soit dans la félicité suprême, dans les béatitudes divines, soit alors pour le châtiment éternel. Et la majorité des religions sur la terre sont d'accord que la voie et la vie que tu as menée, et la voie que tu as suivie sur la terre, c'est la même direction que tu suivras après ta mort. Tu ne peux pas être méchant pendant ta vie sur la terre, être une mauvaise personne, et espérer aller au ciel, au paradis, après ta mort. Non, chacun suivra la voie qu'il a commencé à suivre sur la terre, dans l'au-delà. Donc, l'au-delà existe, mes amis. En philosophie, il y a ce qu'on appelle le pari de Blaise Pascal. Blaise Pascal expliquait que si tu crois que Dieu existe et que tu meurs, et que tu trouves que Dieu existe vraiment, tu es bien parce que tu es sauvé. Et si tu crois que Dieu existe et que tu meurs, et que tu te rends compte que Dieu n'existe pas, mais tu as gagné parce que sur la terre, ta morale a été transformée, redressée par ta croyance en Dieu qui t'aura aidé à être une personne juste. Mais ne vous y trompez pas. Dieu existe. Il faut être bête pour ne pas croire cela. Et Psaume 14, verset 1 dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc, que chacun de nous comprenne. Il faut que chacun soit convaincu de la religion qu'il suit. Pose-toi la question, si je meurs aujourd'hui, où est-ce que j'irai? Est-ce que je serai sauvé? C'est important. Est-ce que tu sais au fond de toi que tu seras sauvé? Nous, nous sommes sauvés. Nous le savons au fond de nous, nous avons cette conviction de Dieu et le Saint-Esprit nous en rend témoignage et nos noms sont inscrits dans le livre de la vie éternelle. Jésus a dit, il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père. Il dit dans ses sommes, dans Jean 14, 1 à 6, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ouais. Et Thomas lui dira, Philippe lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment serons le chemin. Et Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Ouais, donc. La Bible le dit clairement, et dans Jean 4, verset 12, la Bible dit que le salut vient des Juifs. Ouais. Et l'Écriture dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés en dehors de Jésus-Christ. Ça, c'est notre position, c'est notre conviction, c'est notre foi. Nous croyons que ceux qui croient en Jésus-Christ sont sauvés. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, « Ode elabon auto, et doken autois exousian tegna teio genestai. » À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous avons été sauvés de nos péchés. On a été délivrés parce que ce qui fait le vrai christianisme, c'est ce changement de vie et de paradigme, ce changement de mentalité, cette transformation profonde que la parole de Dieu vous apporte et la haine du péché et l'amour, la consécration à Dieu et une vie juste, une vie intègre, une vie qui soit semblable à celle de Dieu. C'est-à-dire vous retrouvez l'image et la ressemblance de Dieu perdu dans le jardin d'Éden. Et c'est cela que l'Écriture dira, oh, il dit que
Hoste, tis en Christo, es tis en Christo, kaine kitisis, car kahi apparelten, idu gegonen kaine, si n'importe qui en Christ, il y a une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ce qui fait savoir qu'on est en Christ, c'est ce changement-là, des choses anciennes, pas des choses nouvelles. C'est-à-dire que le vin nouveau est versé dans des autres neuves. Dieu renouvelle votre vie. Vous n'êtes plus dans la même façon dans tous les cas. Donc, nous devrions coexister dans la paix. Notre nation, le Cameroun, a besoin de la paix. Quand vous voyez aujourd'hui Boko Haram, au nord, à l'extrême nord, c'est des divisions religieuses. Tout simplement, des intérêts égocentriques religieux. Vous voyez, nord, ouest, sud, ouest, c'est des intérêts égocentrico-politique ou politico-égocentrique. Donc, c'est pour dire simplement que tout problème peut être évité et tout problème a une solution. Il suffit de laisser l'autre, alors la liberté de choisir sa religion. Et puis voilà, la paix règne. Chacun vit en paix. Donc, bien aimé, je pense que dans nos familles, la maturité devrait être rétablie. Dans nos nations, la maturité doit être rétablie. Le Cameroun, par exemple, n'est pas fait seulement de chrétiens ou de musulmans, ou des athées, ou des animistes. Il faudrait que chacun laisse l'autre exercer librement sa religion. Et que la religion ne soit pas cause de division dans les foyers, dans les maisons, dans les mariages et dans la nation. Que chacun soit responsable, parce qu'après la mort, chacun rendra compte de sa propre vie. Personne ne sera redevable à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi je peux partager mon opinion religieuse avec une personne, mais je ne peux pas faire d'une personne mon ennemi parce qu'elle ne partage pas mon opinion religieuse. Ou je ne peux pas mettre en état une personne qui ne partage pas mon opinion religieuse. En ce moment-là, ma propre religion n'est pas bénéfique pour la nation. Donc toute religion qui ne permet pas la coexistence pacifique et la cohésion sociale est un poison pour la nation. Il faut le savoir. C'est-à-dire que ce soit le christianisme, l'islam ou l'athéisme, ou bien, je ne sais pas, que ce soit le monothéisme, le polythéisme, la conviction religieuse, toute religion qui n'apporte pas la paix, qui apporte les guerres, les divisions, apporte des conflits, cette religion est un poison pour sa société. Le musulman doit respecter le chrétien doit respecter le musulman. Le chrétien doit respecter l'animiste, l'animiste doit respecter le chrétien musulman, que chacun reste dans sa condition, personne n'est juge de l'autre, Dieu seul sera juge à la fin. Donc je pense que cette façon de voir devrait nous animer, animer tout le monde pour que la paix puisse exister dans nos familles, dans nos sociétés. Et voilà, beaucoup de nations sont divisées à cause de la religion, juste la religion. Pourtant c'est des questions qu'on peut résoudre. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je veux dire à tous les habitants de Ngaoundéré, Mindongaoundéré, Kikidandéré, Mindo Timina, ce soir à partir de 16h, je serai là très tôt à l'église. On va commencer très tôt parce qu'on aura beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, s'il te plaît, ne manque pas ce soir. Dieu a une parole pour toi. Dieu veut te guérir. Si tu es malade, je vais prier avec toi. Si tu crois au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu seras guéri. La Bible dit dans Somme 105, verset 20, il a envoyé sa parole, il est guéri. Dans Somme 103, verset 1, il dit, je suis l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Donc, ai-je ce foi que Dieu te guérira, quelle que soit ta maladie, la maladie de cœur, la maladie dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, Dieu te guérira. Dans ta vie sentimentale, dans ta carrière, dans ta vie relationnelle, Dieu te guérira. Aie juste confiance et foi en Dieu, le Seigneur te bénira. Donc, tous les habitants de Ngaoundéré sont convoqués à cette sainte convocation divine et solennelle. C'est à Onaref, en face des logements sociaux. Soyez là très tôt, à 16h, soyez déjà là. Parce que peut-être à 17h, j'aurai déjà pour la parole. À 17h30, on aura beaucoup de choses à faire et on va finir. C'est pourquoi le Seigneur nous a envoyé. Lorsqu'un prophète sort, c'est pour accomplir les desseins de Dieu. Dieu n'a jamais fait sortir un prophète pour rien. Non. Lorsque nous sortons, c'est que Dieu a des buts accomplis dans la vie de certaines personnes. Hier, vous avez vu certaines personnes qui ont reçu la parole de la prophétie qui les a édifiées, qui les a ravicotées, qui les a envigorées, qui les a révigorées, qui les a ragaillardées. Voyez. Donc, je pense que c'est de ça dont il est question. Nous sortons pour accomplir une mission dans la vie de ceux vers qui le Seigneur nous a envoyé. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Et ce vendredi, nous avons atmosphère de miracle à Yaoundé.
ne manque pas. Atmosphère de miracle, c'est à partir de 17h. Je voudrais t'exhorter, toi qui me suis, à être là. Et ce dimanche, à partir de 7h30, nous allons passer des moments extraordinaires à la bire, dans la présence de notre Dieu. Si tu aimes Jésus-Christ, retrouve-moi vendredi à 17h à la bire. Et dimanche à 7h30. Cette année, nous allons prouver notre amour pour Christ. Que Dieu vous bénisse. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen.